Quand on demande à certains Africains pourquoi les pays africains sont pauvres, beaucoup ont tendance à mettre en avant des raisons historiques. On va par exemple dire que c'est à cause de l'esclavage, de la colonisation ou même encore des raisons modernes comme le franc CFA ou alors les bases militaires. Ce que je vais dire dans cette vidéo va extrêmement vous choquer parce que je vais vous faire comprendre que les raisons profondes de notre développement aujourd'hui ne sont pas liées aux facteurs que je viens de lister. Ce continent est pauvre principalement du fait des Africains. Et je vais partager avec vous dans cette vidéo trois mentalités que nous entretenons dans ce continent et qui nous maintiennent bas, plus bas même que terre. Et ça, ça n'a rien à voir avec la France, rien à voir avec l'esclavage ou la colonisation. Ça a à voir avec nous-mêmes. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes finances, tu es au très bon endroit, je t'invite à t'abonner, activer la cloche des notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis je t'invite à partager massivement les contenus dans les groupes WhatsApp, Facebook pour que la communauté ne cesse de grandir. D'ailleurs, j'ai créé un quiz que je mets à votre disposition afin de vous permettre de mieux gérer vos finances. C'est un quiz qui vous permet de voir quel type de gestionnaire vous êtes avec l'argent. Vous savez que j'aime souvent rappeler que si tu ne sais pas gérer l'argent, peu importe la quantité d'argent que tu vas gagner dans ta vie, tu finiras pauvre. Donc, je t'invite à aller faire ce quiz gratuitement et ensuite, je t'offre une quinzaine de minutes de coaching gratuite au cours desquelles on va analyser les résultats de ton quiz. Mais pour ça, à la fin du quiz, tu dois prendre un rendez-vous sur l'agenda afin que derrière, un appel puisse être fait. Donc, vas-y dès la fin de cette vidéo et fais ce quiz. Cette année 2023, il faut que tu reprennes le contrôle et la maîtrise de tes finances. Comme d'habitude, vous le savez bien, tous ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez très prochainement, on a sur place une société de location de voitures. Les numéros s'affichent. Contactez-nous là-dessus pour qu'on puisse mettre à votre disposition pick-up SUV berline avec ou sans chauffeur en fonction de votre budget. La vidéo que je fais aujourd'hui m'a inspiré par une vidéo elle-même qui a été tournée par Charles Atéba Eyéné, de regrettée mémoire. Charles Atéba Eyéné était un penseur, un philosophe, un docteur, un écrivain africain qui avait le charme de savoir identifier, décrypter les problèmes de la société et les transposer dans des livres, dans un français facile à lire. Ce qui faisait de lui un auteur africain qui était très lu. Vous savez, beaucoup d'auteurs en Afrique se plaignent du fait que quand ils écrivent des livres, ce n'est pas généralement lu. Et bien Charles Atéba Eyéné, ce n'était pas son cas. C'est quelqu'un qui comprenait tellement bien les problématiques africaines que quand il écrivait, et bien les Africains se ruaient sur ses livres. Il a donné pendant une interview... Il y a trois mentalités réfractaires au développement. ...qui, d'après lui, sont les principales causes de la pauvreté en Afrique. Et dans ces mentalités, il n'a pas listé la France comme étant une cause. D'ailleurs, quand on va parler de la France, il va expliquer que la France elle-même a été colonisée. Mais avant de te donner le premier point, je t'invite à écouter ce qu'il dit. Ah, la mentalité magique. Est-ce qu'on peut se développer avec la magie? Pas la magie, non. Sinon, en Afrique, le Bénin serait le pays le plus développé parce que là-bas, il y a le vaudou. L'Inde serait la plus grande puissance parce que là-bas, il y a toutes les pratiques magiques qu'on ne peut pas imaginer. Mais ce n'est pas l'Inde qui est la plus grande puissance du monde. Ce n'est pas en Afrique, le Bénin qui est la plus grande puissance. Ça veut dire que la magie ne développe pas un pays. Donc il faut que les Camerounais le comprennent et le sachent que la magie, c'est-à-dire les sectes, l'homosexualité et tout ce que nous faisons ici, ne peut pas développer le Cameroun. Comme tu viens de l'entendre, la première mentalité dont parle Charles Atéba Eyéné, c'est la mentalité de la magie. Il s'agit en fait d'une mentalité qui est tellement répandue dans nos pays. Une mentalité qui fait que les populations sur notre continent, malheureusement, ne croient plus au travail. Malheureusement, beaucoup de gens ne pensent plus que simplement par l'effort de ta réflexion, la force de ton travail, de la stratégie que tu peux mettre en œuvre, tu peux réussir et t'enrichir. Malheureusement, dans nos pays aujourd'hui, beaucoup trop de personnes passent par des voies détournées pour réussir. Soit en trichant, soit en couchant, soit en volant, soit en détournant, soit en faisant plusieurs de ces choses en même temps. Et donc, il s'est installé malheureusement dans la population africaine une mentalité réfractaire au développement. Une mentalité qui fait que les gens pensent que pour réussir, il faut aller à l'église. Les gens pensent qu'il faut que tu ailles voir un pasteur ou un prêtre pour qu'il prie pour toi afin que tu puisses réussir.
D'autres vont voir un imam pour que l'imam puisse prier pour toi, pour que tu puisses réussir. Moi, je connais une tata, parce que c'est une tata, c'était une copine à ma mère, qui avait un fils qui était talentueux au football. Mais cette tata-là a été convaincue que son fils ne pouvait pas s'en sortir dans le football simplement par son talent, parce que c'est un milieu qui est très miné. Donc, elle a donc décidé de s'armer de patience pour aider son fils à réussir en allant voir les pasteurs, les prêtres, les marabouts. Elle a fait le tour de toutes les spiritualités possibles parce qu'elle espérait que c'est en faisant ça qu'elle allait réussir. Au final, son fils n'a jamais fait carrière de footballeur. Il a passé plus de temps à aller chez des marabouts plutôt qu'à s'entraîner sur des terrains de foot. Vous savez, en Afrique, c'est quand il y a un vrai problème dans la famille que l'on voit vraiment ce en quoi on croit. Dans beaucoup de nos familles, on n'en parle pas assez. Mais quand il y a un problème, secrètement, on va voir un marabout. Quand on a un recrutement qu'on veut faire dans une entreprise et que les enfants postulent, on va voir un marabout, on va voir un pasteur, on va voir un prêtre, on va voir un imam. Quand on est face à un moment charnière, important dans sa vie, on va voir ces personnes-là. Quand on est dans une entreprise et qu'on est en train de préparer un licenciement, on va voir ces personnes-là en espérant que ces personnes-là vont nous protéger. Et cette mentalité qui consiste à penser qu'on peut être protégé, on peut avoir des faveurs de manière surnaturelle, est tellement entrée donc dans les mœurs que les gens ne croient plus au simple résultat du travail. De telle sorte que même quand tu viens dire que j'ai réussi quelque chose sans avoir eu besoin de tricher ou d'aller voir un marabout ou un pasteur ou un prêtre ou tout ce que vous voulez, les gens ne te croient même plus. Comment pensez-vous donc qu'on peut développer un pays avec cette mentalité? Cette mentalité qui fait que quand on voit un avion voler, on dit c'est la magie des Blancs. C'est la science. Les Africains ont dit que tout ce qu'ils ne parvenaient pas à reproduire était du domaine de la magie. Vous voyez, on dit que c'est la magie des Blancs. Donc, la magie des Blancs a fait qu'un avion puisse voler. La magie des Blancs a fait qu'un bateau puisse flotter. La magie des Blancs a fait qu'un train puisse aller en grande vitesse. On a appelé ça la magie. Alors que nous savons tous que ce n'est pas de la magie, c'est de la science. C'est de la technologie. Mais chez nous, plutôt que d'aller se mettre dans la science et la technologie à fond, on pense donc que c'est la magie. Et donc, fondamentalement, les gens ne se donnent pas à fond parce qu'ils ne croient pas que se donner à fond va permettre de résoudre les choses. Et cette mentalité dont je viens de vous parler, elle est tellement ancrée, tellement profonde, qu'elle cause des dégâts tellement inimaginables. Un peuple qui ne croit plus en sa capacité à pouvoir s'en sortir tout seul, c'est un peuple qui ne peut pas se développer. Un peuple qui pense qu'il a besoin d'une aide, qu'il a besoin que le ciel s'ouvre pour qu'il puisse réaliser ce que les autres ont fait, il ne peut pas réussir. Les Chinois nous l'ont démontré. Ils sont restés ensemble pendant une trentaine d'années et ils sont revenus et ils ont ébloui le monde par leur technologie. Pas par leur grande spiritualité, mais par leur technologie. Et les Africains gagneraient à sortir de cette mentalité qui consiste à penser que pour se développer, il faut qu'il y ait un esprit. Il faut qu'on aille voir un imam, il faut qu'on aille voir un prêtre, un pasteur ou tout ce que vous voulez. Tout ça, ça ne marche pas. Je dis bien, tout ça, ça ne marche pas. Ça peut avoir un effet placebo, mais ça ne marche pas du tout. La deuxième mentalité réfractaire de développement, c'est la mentalité tribale. Tu sais que ton frère est incompétent. C'est un, vous le prenez, vous le mettez dans un ministère, dans une entreprise ou même dans une petite affaire que vous avez à la maison, vous le mettez là juste parce que c'est votre petit frère. Ou l'enfant de la femme de votre père. Ou une histoire tribale. Ou bien parce que vous parlez la même langue. Vous le mettez là. Et quand quelqu'un va donner 1000 francs, il va, pour acheter quelque chose de 700, il va rembourser 8500. S'il fait ça 10 fois, votre boutique tombe. Donc la mentalité tribale n'est pas une mentalité de développement. Parce qu'elle ne tient pas compte des valeurs, des compétences, du mérite. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut développer le Cameroun avec tout, sauf avec la mentalité tribale. Deuxième mentalité dont il parle, c'est la mentalité tribale. Et on est tous d'accord pour dire que le tribalisme est une gangrène tellement profonde en Afrique. Le tribalisme, malheureusement, a fait couler tellement d'affaires. Combien de personnes ont vu leur business couler parce qu'ils ont décidé de mettre en avant non pas la méritocratie, mais plutôt le tribalisme. On a décidé qu'on allait donner un marché à son frère, à sa sœur, même s'il ne le fait pas bien. Et il a pris un exemple très simple.
Tu mets quelqu'un qui ne sait pas bien faire les calculs dans ta boutique. On lui donne 10 000 francs pour un produit qui coûte 8 000 francs. Au lieu de rembourser 2 000, il rembourse 7 000. Parce qu'il est auto, il est nul, il ne peut pas faire le calcul. S'il fait ça plusieurs fois dans la journée, ton commerce ferme. C'est une petite image, mais qui vous montre à une échelle beaucoup plus grande. Pourquoi est-ce que choisir par autre chose que la compétence, c'est plomber son business? Alors certains viendront me dire, oui, mais les Africains ne sont pas les seuls qui font ça. Peut-être. Mais là où ce système-là est appliqué, ça ne marche pas. Quand on décide de ne plus mettre les meilleurs à leur poste, ça ne marche pas. Et ça, c'est un gros problème dans nos pays. On ne met pas les meilleurs au poste pour qu'ils fassent le travail. Quand vous regardez les États-Unis, vous regardez la France, vous regardez les grandes puissances, les grandes nations, il y a le souci de mettre les personnes compétentes au poste. Quand vous venez dans un hôpital, le chef de l'hôpital, en général, c'est parmi les plus compétents. Quand vous venez dans nos ministères, les personnes qui sont au poste hiérarchique sont les plus compétentes. Quand vous venez dans une université, les personnes qui sont au poste sont les plus compétentes. On ne conteste pas leurs compétences. Et c'est pour ça que ça marche. Quand vous êtes intelligent et vous êtes dirigé par un con, mon père disait souvent que l'une des pires choses qui pouvait lui arriver dans sa carrière, c'était être dirigé par quelqu'un de moins compétent que lui. Quand vous êtes dirigé par quelqu'un de moins compétent que vous, vous le prenez comme une insulte. Parce que quand quelqu'un est moins compétent que vous, généralement, il a un ego mal placé. C'est-à-dire qu'à cause de son ego, il va vous emmener, vous tous, dans le trou. Parce qu'il ne va pas admettre que vous êtes plus intelligent que lui et il doit donc vous mettre à la place où vous pouvez briller pour l'entreprise. Parce que généralement, les cons veulent briller. Ils veulent avoir les honneurs et la gloire sur eux. Donc les cons, on les reconnaît comme ça aussi. Or, si vous revenez à ce que Charles Atebayene dit, tu sais que ton frère est incompétent. Vous le prenez, vous le mettez dans un ministère, dans une entreprise. Vous vous rendez compte d'une problématique toute simple. Tu ne peux pas construire quoi que ce soit de pertinent si tu mets en avant la famille. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous échouez même vos business au pays. Parce que quand vous voulez lancer un business au pays, vous allez compter sur votre mère. Excusez-moi de vous dire ça aujourd'hui, mais votre mère est certainement incompétente dans le domaine où vous lui demandez d'agir. Ta maman est comptable? Non, donc elle ne sait pas forcément gérer de l'argent. Ta maman est ingénieure en génie civil? Non, donc elle ne sait pas comment construire une maison. Ton père est ingénieur en génie civil? Non, mais tu lui demandes de construire ta maison. Voilà les aberrations qu'on fait. On confie des choses aux gens sur la base des liens de filiation, sur la base des liens ethniques, plutôt que cause de la compétence. Et donc, conclusion, ça ne marche pas. Dans certains de nos pays, certains ministères sont accaparés par les gens qui viennent de la même ethnie. À tel point que tu arrives dans une administration publique, les gens parlent la langue du président. Vous voyez bien de quoi je parle. Dans beaucoup de nos pays, ce genre de choses arrive. C'est-à-dire que depuis que ce monsieur est arrivé au pouvoir, les gens de son ethnie se retrouvent partout dans l'administration. Vous voulez qu'on développe un pays comme ça? Vous voulez qu'on développe des pays quand on ne sélectionne pas les gens à cause de leurs compétences, mais plutôt à cause d'où ils viennent? On ne peut pas. On est dans un monde compétitif aujourd'hui. Et tant que les Africains maintiendront cette mentalité-là, qui n'a rien à voir avec la colonisation, rien à voir avec l'esclavage, ça ne marchera pas. Alors je suis d'accord que bien évidemment le tribalisme a été instrumentalisé, mais il faut reconnaître qu'il nous sert. Donc il a trouvé aussi chez nous un terreau fertile pour bien se développer. Et la troisième mentalité, la mentalité coloniale. La mentalité coloniale. Nous avons été colonisés. C'est un accident de l'histoire. Je dois vous rappeler que la France a été colonisée par les Grecs et les Latins. Il faut le savoir. Mais la France s'est développée parce qu'elle n'est pas restée attachée au fait qu'elle a été colonisée par les Grecs et les Latins. Est-ce que nous, on a déjà quitté la mentalité coloniale? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y en a qui pensent que quand il y a des problèmes ici, les Français vont venir résoudre. Quand il y a des problèmes ici, les Anglais vont venir. Quand il y a des problèmes ici, les Chinois vont venir. C'est fou ça. 50 ans après les indépendances. Donc il faut que les Camerounais comprennent que le développement du Cameroun doit être endogène, c'est-à-dire par nous-mêmes. La troisième et dernière mentalité, c'est la mentalité de la victimisation. Une mentalité que les Africains ont embrassée et avec laquelle ils vivent matin, midi, soir. Moindre chose, c'est la France. Pourquoi il n'y a pas d'électricité? C'est la France.
Pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est la France. Pourquoi il y a le délestage? C'est la France. Pourquoi il y a le chômage? C'est la France. Tout, c'est la France. Et depuis qu'on dit ça, vous n'avez pas remarqué que rien ne change? Un peuple qui se victimise ne peut pas réussir. Vous savez, Charles Atébaïné l'a dit, les Africains ne sont pas les seuls qui ont été colonisés. La France elle-même a été colonisée. Je pense que beaucoup ne savent même pas. La France elle-même a été colonisée. Mais elle s'est relevée de la colonisation. Elle a compris que le monde est dangereux. Et elle a décidé de devenir un prédateur et plus une proie. Mais les Africains aiment bien rester dans la peau de la proie et se plaindre du prédateur. Oh, la France ne nous aime pas. Oh, les Chinois nous veulent du mal. Oh, mais que ce soit, c'est toujours comme ça. On a dit non, les Français sont méchants, les Chinois vont nous sauver. Vous vous rappelez, il y a un peu plus de 20 ans, quand les Chinois débarquaient en Afrique, on a dit non, les Chinois vont nous sauver de la France. 20 ans plus tard, quand on fait le bilan, les Chinois se sont bien servis des Africains. Le constat, il est là, il est flagrant. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Les Russes vont nous sauver. J'ai l'impression qu'on n'apprend pas, qu'on ne retient pas la leçon. Personne ne sauvera l'Afrique. Aucun pays n'a pour agenda de développer un autre pays. Retenez bien ça. Aucun pays au monde n'a pour agenda de développer un autre pays. Les Russes n'ont pas pour agenda de développer le Mali. Les Russes n'ont pas pour agenda de développer la République centrafricaine. Allez voir la République centrafricaine. Est-ce qu'ils sont développés aujourd'hui? Aucun pays au monde n'a pour agenda de développer quelqu'un d'autre. Les gens veulent se développer eux-mêmes. Et s'ils font quelque chose pour toi, c'est parce que ça leur profite à eux-mêmes. Mais nous, les Africains, nous avons décidé que parce qu'à un moment donné dans l'histoire, nous avons été la proie. Il faut que maintenant, partout où on passe, on nous identifie à des proies. On n'a pas compris que dans le monde dans lequel nous vivons, qui est une jungle, tu as tout intérêt à être un prédateur et pas une proie. Et qu'on devrait plutôt réfléchir à comment font les prédateurs. Parce qu'en réalité, le meilleur moyen de te protéger, c'est de devenir un prédateur. Est-ce qu'on attaque le lion dans la forêt? Moi, je regarde parfois les documentaires animaliers. Est-ce que vous avez déjà vu des animaux venir attaquer le lion comme ça pour rien? En général, même quand les animaux foncent sur le lion, c'est parce qu'ils veulent se protéger. Le lion a su sa défense en étant un prédateur. Et c'est comme ça que fonctionne le monde. Soit tu es un prédateur, soit tu es une proie. Et si tu es une proie, tu vas passer toute ta vie à te cacher parce que tu as peur de voir un lion. Et nous, les Africains, comme on a été des proies dans l'histoire, on est resté avec ça dans notre tête et on continue à se comporter comme des proies permanentes. Oui, tel ne nous aime pas, tel nous veut du mal. Qui te veut du bien? Qui t'a dit qu'il y a quelqu'un qui devait te vouloir du bien? Tu es le seul qui peut te vouloir du bien et c'est comme ça que fonctionne le monde. Quand on vient te dire, oui, tel pays est l'ami de l'Afrique, ça c'est pour endormir les naïfs. Aucun pays n'est ami d'aucun pays. Ça n'existe pas, l'amitié parmi les pays. Il n'y a que des intérêts qui comptent. Et les Africains doivent donc prendre conscience de ça, travailler pour leurs propres intérêts, faire les alliances pour leurs propres intérêts et travailler pour ne plus être des proies et devenir des prédateurs. Non pas forcément des prédateurs qui vont aller attaquer des gens, mais au moins des prédateurs qu'on va respecter. Vous avez vu quelqu'un aller attaquer la Russie? Vous avez vu quelqu'un aller attaquer la Chine? Vous avez vu quelqu'un aller attaquer le Japon? Non. Ces pays-là, aujourd'hui, ils sont forts. Ils n'attaquent pas non plus forcément les gens. Hein. Tous n'attaquent pas les gens. Mais au moins, on sait que ce n'est pas la peine d'aller les tenter. Ils ont de quoi riposter. Et à partir de là, le respect s'installe. Point à la ligne. Donc, au travers de ces trois mentalités, Charles Atébaïné nous a ramenés au cœur de nos problèmes. Que nous avons tendance à vouloir fuir et à vouloir mettre sur d'autres des étiquettes, alors qu'en réalité, quand on creuse, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous devons donc repenser le logiciel, changer la mentalité et se lever pour nous aussi inverser la tendance en notre faveur. Que pensez-vous des trois points abordés par Charles Atébaïné? Dans les commentaires, j'ai envie de vous lire. Dites-moi ce que vous pensez de chacun de ces points. Prenez le temps de développer. J'aime bien lire vos commentaires et de temps en temps, j'y réponds. Mais je pense que le thème mérite d'être abordé en live. On a déjà commencé à le faire, mais on va davantage le faire parce que le développement commence dans la mentalité. Beaucoup de gens pensent que le développement commence quand on commence à te donner de l'argent. Non, le développement commence dans la tête. C'est tout. Quand vous avez quelqu'un qui, le matin, urine devant sa propre maison, le soir il tombe malade et il va voir un marabout en disant qu'on lui a jeté un sort, il n'a pas compris que c'est lui-même, ce sont ses urines et cette défécation qu'il fait devant sa maison qui le rendent malade. Mais il a pensé que ça venait d'ailleurs. Voilà là où cette mentalité nous conduit. Il est temps qu'on réalise que
c'est ce que tu as fait le matin que tu récoltes le soir. Si tu changes ce que tu fais le matin, tu récolteras différemment le soir. Et ça, d'autres peuples l'ont fait avant nous et nous démontrent que c'est possible. Qu'est-ce qu'on attend? Let's do it!